je vous propose aujourd'hui une composition hors tissu sur le thème de Noël avec les fleurs du Var. Pour ce faire, j'aurai besoin d'anémone, quelques feuillages de saison, des petits flocons pour le thème Noël, de l'écorce de bouleau, des bouleaux peints, de l'eucalyptus. Pour réaliser ma structure, on va prendre des écorces de bouleau. Le but est de réaliser une structure, une forme un petit peu ovoïde avec l'espace. On viendra passer les fils de fer à l'intérieur pour la poignée de votre bouquet. On va commencer par coller les écorces de bouleau à la colle chaude. Voilà, ce qui vous permettra de passer vos fils de fer au milieu de la structure et on pourra venir les recacher en recollant par-dessus une écorce, comme j'ai fait pour celui-ci. On va venir mettre un peu d'eucalyptus. On commence en fait par le feuillage et le bouleau pour pouvoir créer de l'écartement pour après glisser les anémones en les mettant en avant. Donc voilà pour la base. Hop. On va venir mettre en avant les anémones. Le but est vraiment de sublimer la fleur d'anémone. Elles sont magnifiques. Il faut toujours penser que l'anémone est une fleur qui pousse après la coupe énormément. Donc que le bouquet va évoluer. Petite fenêtre, hop. Petit passage de fleurs. Donc on vient rajouter les petites baies autour qui vont venir un petit peu manger la structure en bouleau. Voilà, pour mettre en avant une botte d'anémone Mistral. Qui est très nature. Je rajoute un peu d'eucalyptus au-dessous pour vraiment bien souligner le bouquet. Et pour finir, je vais ramener quelques flocons que je vais coller sur les petites branches de bouleau. Et voilà pour ce bouquet hors tissu avec les fleurs du Var sur le thème de Noël. Je vous laisse le soin de vous l'approprier à votre image. À bientôt! À la mouche! C'est-à-dire qu'on sait pas trop quoi dire, quoi. Bon bah voilà, je mets une tige de... Eh! Fais la conclusion du premier coup.